J'ai étudié la médecine dans mon pays et ai travaillé en France pendant 10 ans comme médecin de famille. En immigrant à Montréal avec mes enfants, j'ai passé tous les examens canadiens de médecine et le Collège des médecins reconnaît mes équivalences de diplôme. Avoir un poste comme résidente dans un hôpital devrait alors être simple. Ça fait 2 ans que j'applique et je suis toujours refusée. On les juge incompétents ou n'ayant pas rencontré les critères, souvent après des entrevues de sélection qui peuvent durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, où on pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'on mesure et où on mesure le niveau de compétence, dans ce cas-ci, la compétence clinique? C'est ça qu'il faut poser comme question. Donc peut-être il y a des failles dans le système d'évaluation des compétences à l'heure actuelle pour le programme de résidence en médecine. On leur envoie une simple lettre, comme celle que j'ai ici. On dit « Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Je vous informe pour le motif pour lequel votre candidature n'a pas été retenue par le programme de médecine interne de l'université XY, c'est que votre dossier a été jugé non compétitif. » Imaginez le terme « non compétitif ». Compétitif par rapport à quoi? Je suis désolé, mais le processus d'admission se fait de la même façon pour tous, sur une base confidentielle. Et nous ne pouvons vous donner plus d'explications que le motif qui précède. J'aimerais comprendre pourquoi on me rejette, mais il refuse de me répondre. J'arrive au bout de mes économies et il n'est pas question que j'aille sur l'aide sociale. Ce serait trop humiliant. J'ai un ami du même pays que moi qui, à force de se battre, a réussi à être médecin ici. Ça doit être possible pour moi aussi. On nous pose souvent la question, bien, le corps humain est semblable partout, donc les médecins sont semblables partout. Ce n'est pas vrai. Le médecin africain peut très bien être capable de traiter une malaria sans l'ombre d'un doute. Nous n'en avons pas au Québec. On a des infarctus, des Alzheimer, des cancers, des pathologies qui ne sont pas vues en Afrique ou en Amérique du Sud. Pour la simple raison que la population meurt avant d'atteindre l'âge de pouvoir faire ces pathologies. Et moi qui croyais que les maladies sont universelles, et parce qu'il y a, écoutez, la plupart des médecins qu'on connaît sont des médecins qui sont formés dans une grande université, même dans leur pays d'origine, en Afrique, quoi que ce soit. Ce sont des universités qui ont reçu, entre autres, des conseils, des techniques de soutien des pays qu'on appelle de l'Ouest. Donc, ce ne sont pas des petits villages ou avec des cliniques médicales où il n'y a pas même d'eau chaude, quand même. Quand on vit dans un pays où il y a une certaine pathologie qui est prédominante, c'est sûr que les médecins vont se spécialiser dans cette pathologie. Okay. Mais aujourd'hui, quand on voit le rythme de vie partout dans tous les pays, on trouve aussi des infarctus, le diabète, de l'hypercholestérolémie partout. Je crois qu'il s'agit d'une généralisation assez dénigrante de la part de certains à l'endroit de ces médecins formés à l'étranger. Et il y a aussi beaucoup de médecins à l'étranger qui sont issus, qui sont venus des pays comme la France, la Belgique, la Suisse. Je ne pense pas que ce sont des normes de tiers-mondiste qu'on utilise là-bas pour soigner les gens. J'ai rencontré un homme qui sortait d'un accident cérébrovasculaire. Les risques qu'il ait une autre attaque sont élevés, alors je lui ai demandé s'il avait un médecin de famille qui le suivait. Il m'a répondu que non, parce qu'aucun médecin n'avait de place pour un nouveau patient. Et moi qui suis là qui pourrais aider. Ça m'enrage de me sentir si impuissante. Chez les médecins étrangers, il y a un rattrapage à faire, non seulement au niveau des connaissances de certaines maladies, mais aussi au niveau des habiletés techniques, des habiletés cliniques, des habiletés de communication, parce que c'est souvent un problème. Parfois, la langue est un problème, mais dans la communication, il n'y a pas juste le langage. Il y a toutes les valeurs culturelles qui entourent le fait d'être malade, le fait de consulter un homme ou une femme qui va être notre soignant. Alors, vous voyez là qu'il y a tout un contexte qui est important de connaître et on ne peut pas transposer là, du jour au lendemain une médecine dans un pays, surtout les pays en voie de développement, je dirais, et la médecine nord-américaine. La discrimination qui nous concerne le plus dans ce cas-ci, c'est la discrimination systémique. C'est-à-dire que peut-être il n'y a aucune intention de la part des responsables du système de rejeter des gens à cause de leur origine ethnique, de leur race, de leur sexe.
Mais parce que le système a été conçu depuis longtemps, le système comporte des normes, des critères, des procédures, des façons de faire, des politiques, qu'on appelle ça des choses non dites, qui, dans leur application, créent des conséquences, des effets ayant comme résultat l'exclusion des membres de certains groupes minoritaires. Un médecin, ça peut être utile dans un hôpital. Il y a beaucoup de médecins ici qui sont surchargés. On sait la charge de travail qu'il y a dans les hôpitaux. Un médecin qui arrive de l'étranger, il peut aider. Il peut être un assistant, il peut assister un médecin. En attendant, c'est une façon pour lui de s'intégrer dans une équipe médicale, de voir ce qui se passe et aussi d'apprendre la culture organisationnelle. Je n'ai même plus assez d'argent pour envoyer les enfants à la garderie. Je pense que le mieux serait de retourner au pays. On ne veut pas de moi au Canada. On n'arrête pas de me bloquer le chemin. Et c'est difficile de me battre contre un système qui met des obstacles si insidieux sur ma route. Autant lutter contre un fantôme. Si on continue à exclure chaque année des médecins qui veulent pratiquer, des médecins qui peuvent peut-être avoir besoin d'un coup de pouce ici et là, parce que vous savez, quand on arrive dans un nouveau système, il y a peut-être quelques réajustements à faire. Mais il faut trouver des solutions pour ne pas mettre de côté chaque année un bloc d'un grand nombre de personnes. Mais il reste souvent que ces médecins présentent des difficultés pédagogiques, doivent acquérir un support, doivent reprendre des stages qui sont moins bien réussis. L'idéal dans ces cas-là serait qu'on puisse faire ce qu'on appelle une formation ou une mise à niveau personnalisée. Là, on a un problème. Et le problème qui se pose, c'est un problème de ressources. Actuellement, je vous ai parlé, là, on a doublé le nombre d'entrées en médecine dans nos facultés de médecine pour ce qu'on appelle notre flow principal, notre mainstream. Okay? Donc, c'est en doublant le nombre d'étudiants en médecine, je vous garantis que nous n'avons pas doublé le nombre de professeurs. Pas parce qu'on veut pas, parce qu'il n'y en a pas. Tous les professeurs qui peuvent enseigner, c'est les médecins qui sont en clinique, qui sont déjà débordés. Tout ce qu'on fait présentement, c'est de leur ajouter des étudiants en plus, deux fois plus. Est-ce que le coût qu'on doit mettre pour mettre à niveau un médecin formé à l'étranger, est-ce que ce coût-là est supérieur ou inférieur au coût pour une population ou pour un village, pour une ville qui n'a pas assez de médecins? Quel est le coût pour la santé des Québécois et des citoyens? Quel est le coût pour le bien-être des gens quand on n'a pas assez de médecins de famille? Et c'est ça qu'il faut poser comme question.